Bonsoir à tous, 18h pile, comme chaque jeudi soir, c'est parti pour 01 Live Hebdo sur 01net TV, votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech comme chaque jeudi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et ce soir François, on va voir comment l'innovation technologique peut, dans certains cas, ne pas faire bon ménage avec la géopolitique. De quoi je parle? Eh bien, des États-Unis qui cherchent des noises à deux marques chinoises, pourtant en pleine expansion, ZTE et Huawei. On en parle ce soir avec Jean-Sébastien Zanqui et surtout on va voir quelles pourraient être les conséquences pour nous, utilisateurs de ces produits. Dans ce 01 Live Hebdo, on va parler aussi de crypto-monnaies ce soir. De plus en plus de sites s'y mettent, parmi eux le site Pornhub qui accepte désormais les paiements en monnaie. Écoutez, alors ça ne s'invente pas, Verge. Alors, on va le prononcer à l'anglaise pour que ça passe mieux. Notre enquêtrice Noémie Lefebvre-Marex s'est mise sur le coup, elle nous raconte tout dans sa chronique. Zoom Actu, ce sera tout à l'heure. Côté labo, ce soir, vous allez découvrir en avant-première cette innovation technologique qui fait un carton et qui est vraiment au top du top de la high-tech, car elle est en carton, hein. C'est donc Nintendo Labo et notre kit de service Nicolas Lelouch l'a testé. Notre kit de service. Le kit de service, c'est parce qu'il faut Benjamin, c'est ça. Voilà, faut être un peu kid pour. Et on parlera aussi d'un nouveau produit français qui vient de sortir. Ce sont des oreillettes pour arriver à supporter des environnements bruyants sans se couper de ses collègues de travail. C'est-à-dire, tu peux quand même discuter avec eux, avoir une vie sociale, mais ils ne te dérangent pas quand ils discutent entre eux. Ah ben oui, en principe. C'est pas mal. Ça s'appelle Tilde et c'est la start-up Orosound qui a fait ça. Et je crois que tu l'as pris en main. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Exactement, je l'ai essayé. Voilà, c'est le sommaire de ce 01 Live. Merci d'être avec nous. C'est parti. Et bien sûr, vous pouvez réagir en direct à ce 01 Live Hebdo via le hashtag DQJM, n'importe quoi, ça c'est dans une autre émission qui est le vendredi, excusez-moi, le hashtag 01 Live sur Twitter, et puis sur la page YouTube en direct. Dans les petits commentaires, vous pouvez nous laisser votre message, on est connecté. Il fait trop de choses. En direct. En fait, il faut que je me redémarre. Il n'y a pas un système pour redémarrer, François Sorel, en fait. Tu te reprogrammes. Voilà, tu me reprogrammes. On va te rebooter. La question 01net Orange de la semaine. C'est bonjour ça. La question qu'on vous pose chaque semaine sur l'actu. Aujourd'hui, pensez-vous que les crypto-monnaies pourraient un jour supplanter les monnaies traditionnelles? Voilà, vous allez sur www.01nettv.com et pour. Et puis pour répondre à ce petit sondage, pour nous donner votre avis, on fera le point tout à l'heure, comme chaque semaine. Bon, en plus, c'est pas trop compliqué, c'est oui ou non, hein. Vous n'êtes pas obligé de trop. On peut un peu réfléchir quand même, mais pas trop. On compte sur vous, on fera un point sur ce sondage dans quelques instants. Mais pour débuter donc, Jérôme, un coup de pression des États-Unis contre les smartphones chinois. Ouais, c'est assez incroyable. Et pour en parler, nous recevons notre spécialiste des relations Est-Ouest, Jean-Sébastien Zanqui. Bonsoir. Voilà, vous êtes expert en géopolitique du smartphone, n'est-ce pas? Tout à fait, la guerre froide. Asiatique, également. Voilà, la guerre froide. Moyen-Orient. Voilà, exactement. Vous aviez couvert la crise des missiles. Voilà, Cuba et tout. Enfin, là, c'est la crise du smartphone, les amis. Là, c'est la crise du smartphone. C'est un peu moins grave, quand même. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Américains en veulent aux Chinois, visiblement. Oui, il se passe des choses assez importantes en ce moment, en fait, aux États-Unis, puisque ZTE, cette semaine, a été interdit par le département du commerce d'acheter des composants américains. Donc ZTE chinois. ZTE chinois, qui fait donc des smartphones, qui fait aussi de l'équipement télécom pour les réseaux. Mais en l'occurrence, ça concerne beaucoup les smartphones. C'est-à-dire que globalement, ils ne vont plus pouvoir acheter de puces à Qualcomm. Qualcomm est l'un des fournisseurs les plus importants de puces pour smartphones. ZTE en a besoin puisque ZTE ne fabrique pas de puces. Oui. Donc ça va couper clairement l'herbe sous le pied de ZTE. Mm-hmm. Et ZTE va devoir s'approvisionner ailleurs en puces. Ce qui est compliqué, puisque les fabricants de puces, il n'y a pas 36. C'est-à-dire que Samsung en vend très peu à des tiers. Globalement, la seule solution qui leur reste, c'est MediaTek, qui fait plutôt des puces entrée de gamme, moyenne gamme. Donc déjà, première chose, ça c'est compliqué. Ils n'ont pas d'équivalent de fondeur chinois qui fait ça aujourd'hui? Pas vraiment. Le seul fondeur chinois qui fait ça aujourd'hui, c'est iSilicon, la filiale de Huawei. Mais c'est des puces qui sont réservées à Huawei. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça concerne aussi les logiciels, c'est-à-dire que ZTE, dans la décision du département du commerce, ZTE n'aura plus le droit non plus d'acheter des logiciels américains.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Google, c'est américain. Alors, voilà, ça veut dire que globalement, comment ça va se passer avec Android? A priori, Android... Ah ouais, c'est quand même un peu chaud. Voilà, hein. Android, c'est open source normalement, donc a priori... oui, on pourrait avoir un OS Android. Pourrait, voilà, tout à fait. Mais par contre, Google pourrait couper le robinet sur tout ce qui est services, en fait, c'est tout ce qui est les services Google, donc globalement, donc, c'est-à-dire tout. Les, voilà, c'est Gmail, c'est ouais. aussi le Play Store, donc ça veut dire donc plus d'appli. Ben non, ZTE sortira un smartphone Android avec un processeur MediaTek, sans Play Store, c'est compliqué. Un smartphone sans appli, c'est peut-être l'avenir. Bah, Windows Phone a essayé, ça n'a pas trop fonctionné. Oui, il y avait aussi Nokia qui avait tenté avec Symbian, mais ça n'a pas bien marché. Également. Enfin, cela dit, après, on peut installer des applis via un navigateur. Hein. On le sait, hein. Tu télécharges un point APK. Tout à fait. Alors, ça fonctionne pour toutes les applis qui sont hors Google. Hors parce Google. Que, clairement, Gmail, on ne pourra pas l'installer. Ouais. Voilà, bon, mais alors, pourquoi ce bras de fer, Jean-Sébastien? Alors, on a une idée. Ça part déjà de. Il doit y avoir des raisons officielles et des raisons officieuses. Il y a déjà des raisons. Il y a déjà des raisons juridiques. C'est-à-dire qu'en 2015. ZTE a vendu des équipements télécom à l'Iran et à la Corée du Nord. C'est ça qui a mis en colère, les États-Unis, parce qu'évidemment, il y a des embargos sur ces deux pays au niveau des États-Unis. Et on sait que les États-Unis s'énervent vite hein, depuis quelques temps. À partir de là, ils ont commencé à entamer des procédures contre ZTE. ZTE a reconnu l'avoir fait. Donc ZTE a payé une amende l'année dernière de 1,2 milliard de dollars aux États-Unis. Ah oui. On pensait que le problème était réglé, sauf que ZTE devait aussi mettre de côté les responsables qui avaient vendu ça à l'Iran, à la Corée du Nord. Tous les dirigeants qui avaient fait ça devaient donc, être hop là, les virer. Voilà, devaient le virer. Ça, c'était une exigence américaine. C'était une exigence américaine, c'était dans le jugement, dans l'accord avec ZTE. Sauf que ZTE ne l'a pas fait, et ZTE a même versé des primes à ces cadres. Et ça, ça a mis très très en colère des États-Unis. Des primes versées par la Corée du Nord. Hein. Non. C'est pas vrai. C'est des primes versées par ZTE à ses employés. Ça a mis très en colère les États-Unis. Et donc voilà les nouvelles sanctions qui tombent pour ZTE. Alors évidemment tout ça c'est lié à un espèce de contexte géopolitique qui est quand même très pressant en ce moment. Donald Trump a fait toute sa campagne sur le fait de vouloir réduire le déficit commercial par rapport à la Chine et notamment accuser la Chine de violation de propriété intellectuelle, toute la campagne il a fait ça. Globalement c'est une manière aussi pour les États-Unis de réduire cette balance commerciale, évidemment, puisque si la Chine n'achète plus rien et qu'il n'y a plus d'échange, forcément, la balance, à un moment, va s'équilibrer. Mais d'un côté, Jean-Sébastien, il faut savoir que je prends le cas de l'iPhone. Mmh. L'iPhone est fabriqué en Chine, par exemple. Tout à fait, il est fabriqué en Chine par une boîte américaine qui est Apple. Mais évidemment. Qu'est-ce qui va se passer faut voir comment la Chine va réagir à ça. Mais la Chine a aussi des arguments. A aussi des arguments. Et évidemment, là, c'est des coups de pression. C'est pour des coups de pression. Il peut y avoir des mesures de rétorsion. Je pense que. Parce que puisque c'est comme ça, vous ne pouvez plus fabriquer nos iPhones chez nous. Ça serait quand même. Et les seules usines sont vraiment en Chine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a. Il y a de la pression sur Apple pour qu'ils essaient de rapatrier au maximum de la fabrication aux États-Unis. Mais ils y arriveront, mais dans 5-10 ans. Et en Inde aussi, on va le commencer à fabriquer en Inde également. En Inde aussi, il commence à y avoir des usines aussi en Inde. Mais c'est incroyable de voir comme les... fabriquent des iPads maintenant au Brésil. C'est incroyable de voir comme les grandes tensions géopolitiques, finalement, peuvent avoir des conséquences très pratiques, hein, y compris sur les smartphones. Tout à fait, parce que si on imagine, par exemple, ZTE, ça nous concerne un petit peu moins, parce que ZTE n'est pas vraiment présent en France, ils n'ont pas abandonné notre marché, la France, l'Europe. Mais imaginons Huawei, parce que Huawei a pris aussi un énorme coup de pression au CES. Au CES, Richard Yu, le patron de Huawei, devait annoncer l'arrivée de la marque sur le marché américain. Huawei n'est pas présent sur le marché américain, c'est le troisième constructeur mondial, ils ne sont pas présents sur le marché américain. Il va annoncer ça en grande pompe, et finalement AT&T, qui devait être son partenaire pour le lancement, au dernier moment a reculé, a dit non, finalement on ne va pas vous distribuer. Et tous les opérateurs ont suivi, et sachant que le marché du smartphone aux États-Unis c'est 90% par les opérateurs, Huawei ne peut pas aller sur le marché américain. Et donc là aussi, on peut acheter du Huawei aux US par Amazon, par l'importation en nu. On peut acheter tout un téléphone nu, mais il n'est pas distribué par les opérateurs. Tout à fait. Et AT&T a pris un gros coup de pression du Congrès et de l'administration présidentielle américaine pour justement ne pas distribuer ces smartphones. Ça, c'est pour un autre problème, hein, c'est qu'on soupçonne Huawei d'espionner en quelque sorte les échanges numériques qu'il peut y avoir sur
à la fois les smartphones, oui, mais aussi et surtout sur les équipements réseau. Parce ouais, que faut savoir que Huawei, c'est un constructeur réseau, de smartphones, serveur, mais c'est aussi celui qui fournit les opérateurs en 4G. Bien voilà, sûr, les B4G et les émetteurs 4G qui vous permettent de recevoir ouais, l'Internet, c'est un peu grâce à eux. Enfin, ouais, c'est une rumeur où... Enfin, il y a Ericsson oui, aussi, et puis Nokia. Oui, une rumeur ça, qui lui colle à la peau, hein, à Huawei, comme quoi il y aurait des mouchards, logiciels, ce serait une sorte etc., de cheval de Troie de la Chine, de dans les bon, pays, voilà, voilà, c'est clairement. Ouais. C'est et très difficile de ouais, faire la part du vrai et du faux dans cette histoire-là, d'ailleurs. Voilà. Donc Huawei, pour l'instant, il n'y a pas de d'interdiction, on va dire, juridique. C'est vraiment des coups de pression purement commerciaux et du lobbying. Après, si un jour Huawei se prend la même interdiction que ZTE, ça peut être compliqué pour nous, parce que si Huawei n'a plus accès à des puces, bon, ça, ils s'en fichent parce qu'ils fabriquent ouais, leurs propres puces. En revanche, si eux aussi n'ont plus accès au service Google, je ne sais pas comment c'est est-ce vrai, qu'on va continuer à acheter des smartphones Huawei en France. C'est obligé de dégonfler, ce truc-là, parce que les enjeux sont tellement importants. C'est bien possible. Je veux dire, l'escalade, au bout d'un moment, elle ne peut plus se faire, quoi, non? Ah oui, donc tu es en train de dire que les entreprises sont plus importantes que les États, François Sorel. Attention, mais je pense que on va rentrer dans un débat, je vous raconte pas. Hein. Non, mais même je pense que Trump va être obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est pas possible que ça reste comme ça. Sûrement, ouais, c'est clairement des coups de pression géopolitique et diplomatique ouais, entre ouais, deux c'est États. Fou, quoi. Les États-Unis, la patrie du laisser-faire, du libéralisme, qui comme ça, qui donne les ordres oui, aux uns et aux autres. Vous avez le droit d'importer, pas vous et tout. Mais oui, mais on sait qu'effectivement, Donald Trump a fait beaucoup sa campagne là-dessus. Ouais. Et bon, voilà. Il essaie d'appliquer en tout cas ou symboliquement, du moins, son programme. À suivre, dossier à suivre. Zanky, merci. Merci beaucoup. Voilà, les téléphones, ces téléphones-là ne seraient pas interdits. Hein. On pourrait les acheter ouais, finalement. Mais oui, ils n'auraient pas des canaux de distribution importants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Jérôme, oui, si on faisait un petit point sur notre question 01net Orange, qu'est-ce pourquoi que tu en pas, penses? Voilà, qui concerne aujourd'hui la crypto-monnaie. On va donc en parler dans un instant avec Noémie d'ailleurs. Voilà, c'est si Pierre peut nous mettre la question. Il est sur la question. Qu'est-ce que ça Pierre, donne autant vous dire que je ne sais pas si on pourra ah, voir. Voilà. Ah, c'est, ouais, alors, c'est très gros. On arrive à voir. C'est bien, pour une fois, on arrive à lire. C'est ça. T'es allé chez l'ophtalmo ou... Ouais, non. Alors, pensez-vous que les crypto-monnaies pourraient un jour supplanter les monnaies traditionnelles? Oui, 39%, non, 61%. Bon, bah écoute, les monnaies, le dollar et l'euro ont encore de belles heures devant eux, visiblement. Et tout de suite, à 18h13, sur 01net TV, dans ce 01 Live Hebdo, eh bien, on fait un point sur le Zoom Actu avec Noémie. N'hésitez pas, vous pouvez réagir à la fois avec le hashtag 01live sur Twitter et sur YouTube, puisque nous sommes diffusés sur YouTube en direct via le chat. On vous salue d'ailleurs si vous nous regardez via YouTube. Ah, je crois que tu allais dire si vous nous regardez via le chat. Non, ça n'a pas chat, de sens. C'est un peu compliqué. Ouais. On enchaîne avec Noémie. Nous accueillons notre Noémie Lefebvre-Marek préférée. Bonjour. C'est gentil, ça. Noémie. En même temps, il n'y en a qu'une, c'est facile. Justement. Oui, mais Noémie okay, qui a mis le blouson de Johnny Hallyday cette semaine. Pour lui rendre elle hommage, a sorti je pense le perfecto, qu'elle a du mal à les faire le deuil sur cette grande star de la chanson française. Bon, on parle de crypto-monnaie, donc c'est le sujet du jour. C'est vrai. Les crypto-monnaies qui sont de plus en plus présentes dans le e-commerce. Hein, on commence de plus en plus à pouvoir payer sur des sites marchands avec des bitcoins et autres. Et hier, annonce marquante dans le secteur, Noémie, de la pornographie. Exactement, avec un acteur ô combien important qui s'appelle Pornhub. Et en fait, Pornhub a annoncé qu'ils allaient désormais accepter les paiements en dans une crypto-monnaie. En l'occurrence, il s'agit du XVG, plus communément appelé Le Verge. Le Verge, ouais. Ça ne s'invente bon, pas. Ouais, en anglais, ça ne veut pas dire la même chose, mais en français, c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Alors, c'est le site d'un grand média, hein, The Verge. Oui, oui, c'est un, évidemment, c'est un, n'a rien à voir. Média high-tech. Média high-tech aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est un service qui est destiné aux abonnés premium, donc pour les parties payantes du site. Et l'annonce est accompagnée d'une publicité futuriste, sobrement intitulée « The Future Has Come ». Je ne vais pas faire de traduction. Non. Voilà, donc le clip, peine, vous hein, le découvrez. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va nous montrer un film de science-fiction là. Est-ce que les images, est-ce que les images d'illustres de cette chronique ont été contrôlées? Oui, il n'y a pas sûr, n'importe quoi. Ah non, qui va passer à l'antenne. Non, tout bon, a été flouté. Ça a été contrôlé par le comité de censure de 01net. Exactement. Voilà. Noémie, juste un mot, mais alors pourquoi ce choix de crypto-monnaie sur Pornhub? Alors en fait, c'est le caractère anonyme de cette crypto-monnaie qui a séduit Pornhub. Le Verge.
Oui, le Verge, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des centaines de crypto-monnaies existantes. Alors, elle est beaucoup moins connue que le Bitcoin ou l'Ethereum, par exemple. Mais elle se distingue donc par l'anonymat total de ses utilisateurs. Et elle ne peut être achetée qu'en Bitcoin ou en Ether. C'est donc une excellente nouvelle pour cette monnaie, car Pornhub, c'est 75 millions de visites par jour. C'est l'un des acteurs, l'un des acteurs les plus importants, légèrement plus. C'est pas le même genre de contenu. Hein. Ah non. Et même si ce n'est pas la première entreprise à accepter le paiement en crypto-monnaie, on a déjà aux États-Unis à Expedia, il y a Dell, bah, quand même, elle reste pionnière, comme très souvent, messieurs, dans l'industrie du porno. Et oui, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend parler de technologies vraiment innovantes dans le domaine de la pornographie. Exactement. Alors figurez-vous qu'il y en a qui se sont pris à faire des hypothèses sur l'essor architectural de la Grèce antique qui aurait été boosté par la pornographie. Alors moi, j'ai pas eu le temps de faire l'enquête historique. Ah ouais. Néanmoins, je peux vous dire qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'effectivement, l'industrie du porno est vraiment moteur pour tout ce qui est nouvelle technologie. Alors on se rappelle de la cassette VHS, du Betamax, le DVD, le Blu-ray, qui ont été vraiment boostés par l'industrie porno. Le secteur a été également précurseur sur le web avec tout un tas de fonctionnalités nouvelles dans la navigation, avec aussi le streaming en HD, la VOD, le paiement par CB. Tout ça, ça a été expérimenté sur l'industrie du porno. Les webcams également, qui doivent beaucoup aux stars du X. Et plus récemment, la réalité virtuelle. Souvenez-vous, peut-être, en 2017, la firme française Marc Dorcel avait proposé sur une partie de son site toute une partie de contenu en réalité virtuelle, en 360. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais savoir si ça fonctionne, cette fonctionnalité. Ouais, je ne suis pas allé regarder. Non, mais il y a beaucoup de gens qui regardent ce type de choses avec leur masque. Qu'est-ce qui explique aussi cette appétence de l'industrie du porno pour ces nouvelles techno? C'est le business. Hein. C'est la concurrence qui est tellement forte, qui est tellement importante dans ce secteur que ça les pousse chacun à innover. Le poids économique de ce secteur est, pour vous donner un petit chiffre, c'est 30% des données transférées via Internet aujourd'hui, le porno. Donc effectivement, les géants du web, les constructeurs électroniques prennent des décisions sur les nouveaux standards, sur les nouveaux formats, en étant en collaboration presque avec l'industrie du porno. Et dans le cas des crypto-monnaies, cette annonce pourrait faire date. Le président de Pornhub, Corey Price, j'espère que je prononce bien, explique qu'il s'attend à une adoption massive des crypto-monnaies et de la blockchain dans les années à venir. Donc ses paroles sont particulièrement écoutées. À suivre. Voilà. Donc. Ouais, très bien. Alors, je vous dis pas les commentaires sur YouTube, les jeux de mots et tout, mais c'est assez drôle. Vous lâchez c'est en restant bien. Correct. Donc moi j'aime bien. Restez correct s'il vous plaît, parce qu'autrement on est obligé de vous censurer. Donc on n'aime pas. On n'aime pas ça. Bon, merci beaucoup Noé. Moi, je voudrais quand même dire, je peux dire un petit truc là, aux plus jeunes qui nous regardent, vous n'êtes pas obligé d'aller sur ces sites-là. Hein, franchement, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie. Non, mais je fais mon père fouettard. T'as raison. Après, voilà, le web. C'est le web. À partir du moment où tu as un ordinateur, tu peux aller partout. Et c'est vrai que bon. Mais c'est pour ça qu'on peut pas. Tu commences à être curieux. Ouais. Ça fait partie de la vie aussi, malheureusement. Mais c'est vrai que ça donne pas une image très réaliste de la sécurité. Non, exactement. On est d'accord. Merci beaucoup Noémie. Merci Noémie. Tout de suite, on parle de jouer en carton parce que vraiment, alors, c'est nos spécialités sur 01net. Hein. Ils sont tout à fait corrects, hein, vous verrez, il n'y a pas de souci. Tout à fait correct. Voilà. Ça continue. Hein, 01Live. Avec toujours le hashtag 01Live si vous voulez réagir ou bien sur les commentaires de YouTube. Les amis, juste une petite précision parce que c'est quand même assez chaud. On est à 399 000 et des brouettes abonnés sur YouTube. Ça serait quand même cool que d'ici 12 minutes, on arrive à dépasser les 400 000, non? Oui, parce qu'on est vraiment pas loin. Hein. Ouais. Donc si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Appelez votre grand-mère pour qu'elle se connecte, qu'elle s'abonne. Voilà, tout ça. C'est ça. Toute votre famille. Ça serait cool. Là, on est vraiment pas loin. Ah oui, ce serait rigolo. Sincèrement. Ça. Et puis d'ailleurs, on profite pour vous remercier de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à suivre 01Net TV, notamment sur YouTube. Et notamment le jeudi soir pour 01Live. Exactement. Avec notre équipe de choc, dont deux nouveaux membres viennent de nous rejoindre. François Bedin, bonsoir. Je suis un nouveau membre, moi. Non, enfin, les nouveaux membres de la soirée, mais non. Non, t'es pas un nouveau membre, t'es plutôt un vétéran. Il y a des moments comme ça. Comme nous. Il y a des moments où je me dis, bon, d'accord, c'est pas mal. Bonjour.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On se moque de toi, je crois. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je m'en fiche, j'assume. Et Nicolas Lelouch est là aussi. Nicolas Lelouch est là. Et regardez ce qu'il a, Nicolas. Ouais. Il a apporté du carton avec lui. Exactement. Mais c'est du carton high-tech en plus. Tout à fait. Bah, en fait, c'est pas tellement du carton high-tech parce que ce n'est que du carton. Hein. Il y a pas. Là, si on regarde un petit peu. Le piano, bah, il paye pas de mine. Hein. Si vous appuyez, il se passe pas grand-chose, ça ne tient pas réellement. La petite particularité par contre de ce piano, c'est qu'à l'arrière, il y a une manette de la Nintendo Switch qui est accrochée et qui permet du coup de transformer ce piano en carton en un vrai piano. Donc du coup, si vous vous demandez comment, bah, c'est pas si compliqué que ça. On utilise la console pour de vrai. Et une fois qu'on la met en fait à l'intérieur du piano, je vais le lancer. Je sais pas ce qui se passe, mais derrière la caméra, c'est le fou rire là. Oui, je sais pas trop. Donc là, tu as. Donc je suis en train de configurer le piano, oui. Voilà, tu as mis la Switch. Et là, du coup, comme par magie, est-ce qu'on entend le piano? Il faut mettre un micro. Vas-y. Oui, on l'entend pas bien. Alors, vas-y. Il sort de la console, donc c'est là où t'es. Bon, je joue pas très très bien, on va pas se mentir. Oh, je suis pas d'accord. Mais reconnu, bref, on a un piano qui fonctionne. Donc ce qui est assez magique avec ce produit, hein, c'est un test qui est sorti aujourd'hui sur 01net et une vidéo qui a été réalisée par Pierre Thiolin que je vous recommande de regarder si vous voulez rigoler un petit peu pendant 5 minutes, c'est que tout passe par du carton, qu'il n'y a absolument aucun objet électronique à l'intérieur et qu'en fait la Nintendo Switch utilise, je suis en train de le faire sonner, utilise des petites bandes réfléchissantes collées sur le carton qui permettent en fait de voir grâce au capteur infrarouge quelle touche est levée quand on appuie. Et donc c'est très très ingénieux ce que Nintendo a conçu. Ce qu'il y a à savoir, c'est que ça prend quand même bien 2h30 pour construire un produit comme celui-là. Ouf. Donc tu as mis 2h30 à monter sur un piano. Oui, ouais, c'est très long. En fait, tu reçois des plaques de carton. Tout à fait, oui, c'est ça. Qui sont prédécoupées ou enfin qui sont déjà... Elles sont prédécoupées, oui, on les voit à l'écran derrière. C'est donc on a une vingtaine de plaques de carton sur lesquelles c'est assez facile de découper et l'écran nous dit ce qu'on a le droit d'enlever et ce qu'il y a à prendre. Et du coup, on montre, c'est grâce à l'écran de la Nintendo Switch où il y a une sorte de guide interactif qui montre en vidéo ce qu'il faut faire. Donc c'est très très bien expliqué et oui, ça prend énormément de temps. Par exemple, il y a des trucs comme là, ces petites pièces, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. En réalité, grâce aux bandes réfléchissantes, ça permet d'identifier sur la Switch. Donc si on le met dans le piano, les touches du piano vont faire un bruit de chat. Ah, c'est rigolo. Et donc tout ça, c'est très compliqué à faire parce qu'une pièce comme ça, comme vous vous doutez, ça, déjà il y a 3 petites pièces. On doit coller chaque bande réfléchissante une par une. Ouais. Donc rien que ça, ça va prendre 5-6 minutes. Donc ça prend énormément de temps. Mais non, est-ce que c'est comme les Lego et le mécano, c'est-à-dire que tu t'amuses le temps du montage et puis après tu t'amuses plus? Alors ça, c'est une inquiétude qu'on a eue dans le test. Oui, tout à fait, parce que pour le coup, le temps du montage, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai vraiment passé énormément de plaisir à le faire. C'est très sympa, c'est ludique et quand ça prend forme et c'est assez joli visuellement, donc on est content de créer ça. Ouais. Mais après, c'est sûr qu'au niveau des mini-jeux, on a notamment la canne à pêche qui permet donc de transformer la Switch en mer et on lance la canne à pêche et on peut attraper des poissons à l'intérieur. Ouais, bon, une fois que tu l'as fait une fois ou deux. Exactement, c'est que tous les journalistes de la rédaction de 01net qui l'ont essayé ont tous adoré, mais ils disent ok, mais maintenant c'est quoi la suite? Et il n'y a pas de suite, et c'est un peu le problème. Donc après, évidemment, voilà, ça se destine aux enfants, donc je suis à peu près sûr que eux vont peut-être moins se lasser, et encore ça reste à prouver sur le long terme. Mais oui, non, l'expérience est assez impressionnante, et surtout ce qu'a réussi à faire Nintendo avec des bouts de carton, ça mérite... Combien ça coûte? Ça coûte à peu près 60€ par pack, il y a deux packs, il y a celui-là... qui s'appelle le multi-kit, dans lequel vous trouvez un piano, une canne à pêche, vous trouvez une sorte de guidon pour moto qui permet... Pour 60€, il y a plusieurs. Alors celui-là, c'est un multi-kit, c'est plein de petites constructions qui mettent entre 1h et 2h30 pour le plus long, piano. Finalement, ça a plutôt un bon rapport qualité complètement. Prix, et puis le temps qu'on va passer en fait à construire tous ces objets. Oui, et ça peut être dans les ateliers, les trucs, les colonies de vacances et autres. Tout à fait, bien sûr. Bah, surtout qu'après, il y a toute une partie, bon là, comme vous pouvez le constater, on ne l'a pas fait, partie personnalisation, où Nintendo vend des autocollants, des feutres pour s'amuser à créer son kit sur mesure. Donc ça, évidemment, ça touche les enfants, mais on n'avait pas beaucoup de temps, on avait beaucoup de kits à construire, donc malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Ah ouais, à ton avis, c'est une fausse bonne idée ou c'est une vraie bonne idée? Parce que pour moi, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est pas parce qu'on va monter après ces objets qu'on va s'en lasser vite, parce que c'est ça aussi, c'est ce que disait Jérôme. Si finalement on achète tous ces accessoires pour qu'après les avoir montés, avoir joué 10 minutes, parce que l'intérêt ludique est assez limité, ça repart dans le tiroir.
Après, c'est déjà le plaisir et, et l'amusement et le temps que tu passes à le monter. Disons qu'il y a là où Nintendo fait assez fort, c'est que la démonstration technique à l'heure où tout le monde fait des consoles de plus en plus puissantes, qui se vont en 4K, de dire nous on arrive avec des bouts de carton et regardez on arrive à créer quelque chose de cool. Nintendo spécialiste du low-tech hein, de plus en plus. De plus en plus, oui, je ne sais pas si des images vont être passées, mais on a aussi un deuxième kit qu'on a eu la chance de tester en exclusivité sur 01net, qui est le robot kit. Alors là en fait on construit un sac à dos, on a une manette dans chaque main, on accroche des sangles. Tout à fait, on accroche des sangles aux pieds. Et en fait, c'est comme de la réalité virtuelle, mais sans casque. C'est-à-dire que quand vous bougez vos bras, les bras bougent avec. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire à partir de fils, à partir de carton. C'est, je le répète, il n'y a vraiment rien d'électronique à l'intérieur du sac. On nous dit sur YouTube, il y a aussi tout un aspect programmation hein, pour certains jeux. Il y a des robots, etc. Alors ça, oui, on n'a malheureusement pas eu le temps de creuser réellement ce sujet. Mais oui, notamment dans le multi-kit, il y a plein de bouts de carton qui peuvent être utilisés comme on le souhaite et qui ne sont pas faits pour des choses déjà préconçues par Nintendo, qui permettent par exemple de créer sa propre guitare ou qui permettent de créer d'autres systèmes. D'accord. Donc oui, logiquement, les enfants ont de quoi s'amuser, même après la construction des produits proposés par Nintendo. Tiens, mais dites-nous sur YouTube, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. Voilà, vous avez une Switch, est-ce que vous êtes prêt à dépenser 60 euros pour ces kits en carton? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Dites-le nous. On fera un petit point dans quelques minutes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. La Switch, donc. Et on va passer à un sujet qui fait du bruit. Ce sont des... C'est ça hein, je me trompe pas? Il fait du bruit. Non, c'est pas ça. De quoi tu me parles, François? Je sais plus. Je suis perdu dans le conducteur. Non, ce sont des oreillettes qui traduisent. Ah bah voilà, oui, pardon. Voilà. Alors toi, tu es multilingue, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr. Alors explique-nous, François. Alors, qu'est-ce que c'est? On va faire un petit peu, se projeter un peu dans le futur. Dans le futur, je rencontre quelqu'un qui parle pas ma langue. Mmh. Et ben, il a une oreillette, j'ai une oreillette. Une jolie et puis suédoise, moi, par quand exemple. Je parle, il comprend ce que je dis et vice versa. Ça serait l'idéal. Ouais. Mais bien d'accord. Bon, on n'en est pas encore là. Alors pas du tout. Par contre, il y a des tentatives qui sont faites. Donc par exemple, Google a fait une tentative avec Pixel Buds, qui étaient donc des oreillettes qui fonctionnaient avec les smartphones Pixel et qui étaient censées offrir de la traduction instantanée. Problème, c'est que ces Pixel Buds ne sont pas disponibles en France. Donc il y a une autre société qui s'appelle Waverly Labs qui a essayé de faire pareil. Donc voici les oreillettes qui traduisent. Les écouteurs. Écouteurs ou oreillettes, je ne sais pas comment quel est le terme exact. Waverly Labs. Voilà. Alors, a priori, ce sont des écouteurs True Wireless, et ils fonctionnent d'ailleurs comme des écouteurs True Wireless. Donc, on peut écouter de la musique avec, la qualité est plutôt bonne, il y a 6 heures d'autonomie. Donc, ça se branche en Bluetooth sur le téléphone. Voilà, donc vraiment comme des écouteurs True Wireless. Okay. Là où ils deviennent intéressants, c'est quand on les associe avec une application gratuite. D'accord. Et c'est cette application qui va faire la fonction de traduction. Alors comment ça marche ? Elle va faire trois fonctions. Elle va d'abord faire une fonction de reconnaissance vocale. Donc ce qu'on va dire va être capté par les micros de l'oreillette et ensuite transmis à l'application pour être converti en texte. D'accord. Ensuite, le texte va être traduit par un système de traduction instantanée. Et ensuite, la traduction, elle, va être reconvertie en voix. Mais ça doit être super long. Sur le haut-parleur du téléphone ? Non, alors là, ça, j'y reviendrai après. Sur normalement l'oreillette qu'on aura passée à l'autre personne. Ah parce oui, que l'intérêt, c'est de passer chacun. Une oreillette chacun. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Alors ça c'est la théorie. Après, il commence à y avoir des problèmes. Problème numéro un, c'est qu'il faut deux fois l'application. Donc il faut avoir l'application sur son smartphone et il faut que l'autre personne ait aussi l'application sur d'accord. son smartphone. D'accord. Ensuite, il faut que les deux applications communiquent. Alors là, il y a un QR code qui permet d'établir la connexion. Mais surtout, le plus gros problème, c'est qu'il faut que le micro, par exemple, de ton oreillette, ne capte pas ce que je suis en train de dire. Et vice-versa. Il faut s'éloigner alors. Si vous êtes trop près. Donc, mais quand on discute, en général, on est plutôt près. Et c'est le principe de la discussion. Et c'est là qu'il y a le problème de ce produit. Ouais. C'est que justement, ça capte plein de sons parasites et ça ne peut pas fonctionner de façon optimale. Mais quand ça fonctionne, est-ce que ça marche? Alors, il y a un mode qui existe, que moi j'ai utilisé pour mes tests, qui est le mode talkie-walkie. Donc en fait, on décide à quel moment la personne parle en appuyant sur une touche de l'application. D'accord. Et à ce moment-là, seulement, ça active le micro de l'oreillette de la personne et pas le micro de l'oreillette de l'interlocuteur. Et là, à ce moment-là, ça fonctionne plutôt pas mal. Ah, okay. C'est-à-dire que c'est réactif et ça arrive à traduire à peu près correctement en supposant qu'on articule bien. Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour faire de la reconnaissance vocale, voilà, il faut... Alors, ce qui est bien... C'est que sur l'application, on peut voir ce qui est en train de justement d'être traduit et rectifier le tir le cas échéant. Donc par exemple, s'il n'a pas compris un mot, on peut répéter à nouveau d'accord. et puis retenter l'expérience.
Alors, il y a un mode juste simple, un mode avec le micro et le haut-parleur. Donc, je vais essayer de te faire une démo juste de ce mode-là pour te montrer un peu comment la traduction fonctionne. Oula, attention. Alors là, démo en direct. Alors là, attention, François Bedin, mesdames, messieurs, va nous faire une démonstration en direct. Est-ce que ça va marcher? Sans les oreillettes, alors. Est-ce que sans les oreillettes. Mais c'est juste pour montrer la fonction de traduction. Donc là, français vers anglais. Français vers anglais. Allez, c'est parti. François, fais-nous rêver, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle François. Ça tombe bien, moi aussi. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Je suis content d'être ici. J'espère que c'est vrai. Ah mais c'est bien. Quand même. Et alors tu as combien de langues? Voilà, il y a 15 langues. D'accord. Donc 15 langues, c'est quand même impressionnant. Avec tous les dialectes possibles. Donc en anglais, par exemple, tu peux avoir l'anglais anglais, l'anglais États-Unis, l'anglais australien. Donc ils ont vraiment prévu beaucoup de cas de figure. Mais Google fait pas ça, excusez-moi les amis, mais il n'y a pas une appli Google qui fait ça? Oui, tu as une... non mais là la fonction de base que tu peux trouver plein d'applis qui le font. Voilà, d'accord. Ça c'était juste pour démontrer la chose. Après, c'est mais par contre, la connexion avec les oreillettes et la promesse de que ça fonctionne de façon indépendante avec justement ce système-là est quelque chose qui est vraiment propre à Waverly Labs, mais qui pour l'instant n'est pas encore abouti. Alors, j'ai discuté avec eux, ils sont en train de tenter de faire évoluer la chose, par exemple de rendre les micros plus directionnels, d'être capable de faire en sorte que ça n'écoute pas justement les bruits environnants quand on parle, de telle façon à ce que ça fonctionne mieux. Alors, on peut acheter déjà les choses, ça coûte 250 €, déjà pour s'en servir simplement si on n'a pas encore d'écouteurs Bluetooth, ça peut très bien faire le job, et puis commencer à travailler avec ça. Alors après, c'est un peu un pari sur l'avenir. Ouais. Mais c'est vraiment des oreillettes spécifiques. On peut pas faire ça avec des oreillettes classiques. On pourrait, mais évidemment, ils ont prévu que l'appli ne fonctionne pas avec d'autres oreillettes. Les petits malins. Sinon, donc ils ont fait en sorte que les oreillettes soient obligatoires pour travailler en mode conversation. D'accord. François, j'ai une petite question. Il faut avoir du réseau pour faire fonctionner tout ça? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, il faut y avoir du réseau. Ah ouais, donc parce que tous les systèmes de traduction sont dans le cloud. Je pense que c'est connecté à Internet, ça fonctionne par intelligence artificielle. Donc c'est dommage, on aurait peut-être pu télécharger une langue avant de partir, parce que c'est vrai que quand tu vas en Chine... Alors, j'aurais posé la question, un mode offline, ils sont aussi en train d'y penser. Mais donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est vraiment un sujet très ambitieux. Je trouve que c'est bien qu'on commence à essayer de faire des choses, et au moins qu'il y ait des produits qui existent, que ça soit pas juste un truc dans les labos. Après, il y a des limites. Tout ce qui est traitement de la voix aujourd'hui a encore besoin d'aller dans le cloud pour le processing, notamment à cause de la puissance encore limitée des smartphones. Mais comme on va encore et encore monter en puissance, de plus en plus, il va être possible de traiter la voix à l'intérieur d'un smartphone, d'un assistant vocal sans connexion Internet. Juste une précision, c'est vrai que, et vous l'avez signalé, j'ai vu passer le commentaire sur YouTube, lors de la dernière Google I.O., Google avait présenté, en fait, je ne sais pas si tu t'en souviens. François en a parlé. D'accord. Sauf que tu ne peux pas les acheter en France. Tu ne peux pas les acheter en France, c'est ça. Et si je me rappelle bien, ça ne fonctionne qu'avec les smartphones Pixel 2. En tout cas, il y a aussi une limite qui fait que je l'ai fait fonctionner. Quand j'ai fait mes tests, j'ai fait fonctionner avec des smartphones Android. Ça marche avec des iPhones aussi. Ouais, très bien. Bon, parfait. Merci, François. Super. Merci beaucoup, François. Pour terminer rapidement, je voudrais vous parler moi aussi d'une paire d'oreillettes. Une petite paire d'oreillettes. Mais qui sont assez particulières. Les voici. Alors attention, on va essayer de ne pas les... Voilà, donc... On dirait des oreillettes un peu Bluetooth, tu sais, avec un arceau C'est exactement en intra. Ça. Alors voilà. Donc, ça mais c'est pas que ça. Mais c'est pas ça que ça. C'est comme ça et comme ça. Et ces oreillettes, elles peuvent faire tout ce qu'on fait avec des oreillettes. On peut écouter de la musique, on peut écouter la radio, etc. Mais surtout... Passer des coups de fil. Passer des coups de fil, absolument. Ouais. Mais surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait, elles sont là pour... Eh bien, les gens qui travaillent dans des endroits très bruyants, typiquement un open space avec beaucoup de monde, une usine avec beaucoup de bruit, ou même pendant un concert, des professionnels de la musique qui travaillent pendant un concert, et des gens qui travaillent dans cet environnement, mais qui ont quand même besoin de communiquer entre eux. Et là, donc, parce que sinon, quand il y a beaucoup de bruit, on peut mettre des casques qui isolent totalement ou des casques à réduction de bruit, etc. Mais du coup, on n'entend plus les gens qui parlent. Et bien là, le pari, c'est de faire les deux à la fois. C'est à la fois de nous isoler d'un environnement très bruyant, mais en même temps de permettre les conversations. De quelle manière? En fait, il y a un micro qui permet d'ajuster déjà le niveau d'atténuation du bruit, qui peut aller de 0 à 30 dB. Et ensuite, il y a un système de micro qui est capable de détecter d'être directionnel, qui va... ne capter les voix que dans un cône de 30 degrés.
C'est-à-dire que si je me mets en face de toi, je vais t'entendre. Si je tourne, je ne t'entendrai plus. Dans la mesure où... Oui, parce que je ne m'adresse plus à toi. En fait. Exactement. Voilà, donc c'est assez malin. C'est une start-up française qui a fait ça, qui s'appelle Orosound. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans Village Startup, on les avait reçus. Ouais, ils l'avaient lancé en financement participatif. Exactement, sur Kickstarter, ça avait été lancé. Et là, donc, ils le sortent enfin, commercialisation. Donc on les salue, c'est pas mal parce que c'est vachement dur. Il faut le rappeler quand même pour une start-up française de présenter, de préparer et d'amener jusqu'à la commercialisation un produit hardware. C'est pas facile à faire. Ils le sortent, alors ça coûte cher. 359 €. C'est plutôt une cible vraiment professionnelle. Mais c'est un produit assez innovant. Mais en Kickstarter, ça coûtait la moitié du prix. Ça coûtait la moitié. C'est là où ça devenait intéressant, mais c'était un pari. Bah comme toujours, avec Kickstarter, c'est vrai qu'il faut adhérer au programme tout de suite. Mais c'est vrai qu'on a testé, tu m'as fait tester ça il y a la semaine dernière. Ouais. Moi, je suis quand même un peu dubitatif parce que... On ne l'a pas testé dans les bonnes conditions. Il faut être vraiment dans un environnement très bruyant. Ouais, c'est là où ça prend tout son sens. Ça, voilà. Mais, tu avais pu voir un prototype déjà et tu n'avais pas été complètement convaincu. Non, je n'avais pas été convaincu. Mais oui, c'est mieux. Moi, je l'ai essayé dans la rédaction de Zeronet, mais ils sont sages, vous n'êtes pas très bruyants. Mais quand même, franchement, j'ai vu la différence. Sauf quand ils ronflent. Et j'ai vu la différence notamment avec un casque à réduction de bruit classique qui n'atténue pas de la même manière. Et là, il y avait quelqu'un qui téléphonait dans mon dos et c'était bien atténué par rapport à... Voilà. Et tu écoutais de la musique à ce moment-là? Non, je n'écoutais pas de musique. D'accord, c'était juste en mode réduction de atténuation de bruit. Quoi. Et je l'ai testé aussi dans un endroit où il y avait des embouteillages, dans une rue. Voilà, et on sent la différence. Tilde d'Orosound. Orosound, et c'est français. Et c'est français, mesdames et messieurs. Là, vous savez quoi, c'est sur cette belle innovation que nous allons dire au revoir. Est-ce qu'on se fait un petit dernier, un point sur notre question 01 net orange avant d'aller prendre l'apéro au soleil, parce que c'est vrai qu'on va en profiter quand même. Elle est là, la question. Je vous rappelle quand même la question, on l'a pas. On n'a pas la question. Elle est partie. Alors, 41 oui, 59 non pour la question suivante. Pensez-vous que les crypto-monnaies pourront un jour supplanter les monnaies traditionnelles? Donc, 41 oui, 59 non. Ça a un peu baissé, le non. En effet, c'est presque équilibré, dites donc. Voilà, c'était la question 01 net orange du jour. Merci de nous avoir suivis, 18h36, 01 Live se termine. Oui, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine, comme tous les jeudis soirs, en direct sur 01net TV. Ah voilà la question qui arrive. Ça bravo marche. Pierre. Ben voilà, comme ça merci à Pierre Thiolin, merci à Thomas Romiret, merci à Noémie Lefebvre-Marek qui a préparé ce 01 Live. Et merci à toi François Sorel. Oh, et merci à toi Jérôme. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et n'hésitez pas, continuez à vous abonner sur la chaîne YouTube de 01net TV. Il faut qu'on passe dans les heures qui viennent la barre des 400 000 abonnés. On n'est pas là, non. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Okay. Et on vous souhaite une très belle soirée. À très vite. Salut à tous.